お前はもう死んでいる。Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Manuel Geek, car avec Air Geek on voyage vers d'autres univers. Et donc cet univers aujourd'hui c'est comme d'habitude le doublage. Comme invité Johan Sauveur et Kélian Blanc. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Kélian Blanc, vous avez sans doute pu voir dans mes toutes premières vidéos interview. Ça fait un plaisir de vous avoir. Ça fait longtemps, mais oui, tout à fait. Et bien voilà. Johan Sauveur et Kélian Blanc, à quel âge vous avez commencé le doublage et est-ce que c'est petit ou au théâtre? Alors, moi j'ai commencé le doublage à 10 ans, après avoir été dans une troupe de théâtre où ils sont venus chercher des enfants pour faire du doublage parce qu'ils en avaient un peu marre que ce soit les femmes qui fassent les enfants. Ouais. Et donc j'ai commencé le doublage comme ça, j'ai essayé, ça a plutôt bien marché. Et c'est comme ça que j'ai commencé à 10 ans. Et Harry Potter est arrivé à mes 12 ans. Génial. Moi, j'ai commencé d'abord par le théâtre et le chant. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Après, j'ai fait plein de pièces de théâtre, plein de comédies musicales et tout. Et puis, beaucoup de tournages. Et le doublage, c'est arrivé un peu plus tard. C'est arrivé vers mes 20 ans, 18 ans, 20 ans. Voilà, donc j'ai pas commencé aussitôt que toi. D'accord. Kélian Blanc, donnez-nous un indice de votre personnage pour lequel vous êtes connu dans le doublage. Un indice. Alors, faire la voix, peut-être que les viewers vont peut-être le reconnaître. Oui. Si je dis, allez Tom, finissons comme nous avons commencé, ensemble. À qui ça fait penser? Oui. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Voilà, mettez en commentaire. Voilà. C'est qui ça? Tu pourrais en faire un deuxième, non? Je pourrais en faire un deuxième. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Là, c'est facile. Voilà. Là, c'est très facile. On a changé de sujet. Habituellement, je mets les personnages sur ma miniature, mais là, je ferai pas. Je mettrai juste vos noms. Oh, attention. Là, comme ça. Alors, comme ça, ça fait l'effet mystérieux. Miniatures, alors. Il faudrait mettre des tout petits qu'on voit pas. Des miniatures en indice. Voilà. Ah oui. C'est pas mal. C'est ça. Ah oui, peut-être des petits effets. Des petits paysages. C'est toi la réelle. Et donc, Johan, pour quel personnage? Car vous avez fait énormément de personnages. Oui, alors lequel? Je ne sais pas si je te dis. C'est qui les meilleurs? Les Wildcats! C'est qui les meilleurs? Les Wildcats! Mets tout ton cœur dans le jeu. Voilà, ça c'est un premier indice. Et ça, je vois pas c'est du tout, c'est dans quoi? Ah. C'est vraiment dans Olivier Tom? C'est effectivement Jeanne et Serge. Du coup, moi je sais pas. Non. Alors, moi je dis rien. Je ne dis rien. Ah non, d'accord. Pas d'indice plus. Il y en a un autre. L'étape est pas mal. C'est génial celle-là. Je m'en sortirai. L'autre, ça fait très dur. Maman! Oui, j'arrive! Désolé Bernadette, alors tu vas être Bernadette, je suis désolé. Non, c'est désolé moi Bernadette. Il faut que j'y aille, ma mère m'appelle. Voilà, il y a un autre, où c'est un ami de Sheldon, de Penny, si vous faites Penny, enfin ça c'est pas moi qui le fais d'habitude. Voilà, quelques indices. C'est maman, j'ai raté la vue. Bien sûr. Tu n'as pas le droit. Voilà, Kélian a toutes les réponses, tu aides trop. Je donne tous les indices. Mettez en commentaire, hein, je suis sûr que vous avez reconnu. Et si je vous dis France 4, vous pouvez nous faire une des voix qu'on vous avez fait tout à l'heure De France 4, ah oui, ah, oh, bah, oui. Mais bah, si, oui. Parce que, bah, alors là c'est une voix qui n'a rien à avec la choucroute, c'est que c'est une voix, alors c'est Salut, je m'appelle Molusco, je suis l'enfant huître. Voilà. Vous avez donné la réponse, mais bon. Oh merde, j'ai donné le nom de la série. Mettez-le en commentaire, vous gagnerez quand même. Alors quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais gagner à tous ces gens qui trouveront qui nous doublons? Qui nous doublons? Moi, je veux savoir quel est le lot. Eh ben, exceptionnellement, je pourrais faire une édition spéciale, gagner un goodies, un marque-page One Piece, ou des points à pins, voilà. Ah, mais c'est trop mignon ça. Alors mettez le commentaire, ça Molusco il est donné. Oui, voilà. C'est par contre, le reste, voilà.
Bon, j'ai donné beaucoup d'indices sur toi. Oui, c'est... Oui, parce que Olivier Tom. Alors je fais Olive ou Tom. C'est ça aussi la question. Ça, attends. Et quelle époque? Ah oui, laquelle génération? Olivier Tom, première. Kylian Blanc fait donc Gollum du Seigneur des Anneaux. Bien sûr, aussi. Tout à fait. Et moi, j'essaye de piquer les rôles de tout le monde. Puis en convention, je vais croire que je fais tous les rôles. Mais t'as bien raison. C'est comme ça qu'on crée son succès. Exactement. J'attends. Et également, une série, et là, je donnerai la réponse. Parce que peu de gens le savent peut-être, comme moi je l'ai appris tout à l'heure, vous êtes la voix française de Vecna. Johan est la voix française de Vecna. De Henri. Peter, mais alors moi je veux pas spoiler, alors là c'est spoiler alerte. Pour tous ceux qui n'ont pas regardé la dernière saison, la saison 4 de Stranger Things, effectivement, enfin bouchez vos oreilles déjà, ceux qui ne l'ont pas regardé, et sinon oui, je fais number one, enfin one. 001, alias Henri, alias Peter, alias Vecna. Oui. Voilà, c'est très compliqué, il a un milliard de noms. C'est vrai. C'est celui qui a le plus de place au générique. Mais c'est toujours ce que je demande. Hein. Alias l'exorciste. Avec ce qu'il fait, ça fait un peu penser à un exorciste. Il est pas loin, il est pas loin. Ouais, en tout cas, on n'est pas loin du bon psychopathe. Hein. C'est le vrai méchant, c'est un vrai méchant, de comme on les aime dans les séries. Ouais. Vraiment Stranger, hein, pour le coup. Très Stranger et très Things. Ah, mais t'as oui. C'est vrai. Et donc, pour revenir au doublage, pour vous, combien de temps ça fait que vous êtes comédien, Johan? J'ai 77 ans, donc t'imagines. C'est pas vrai. C'est étrange. Ça fait un bon moment parce que j'ai commencé à l'âge de 8 ans, j'en ai 15. J'ai fait la blague dans les deux sens. Oui, oui. Comme ça, ça va faire 30 et quelques années, ouais. 35 ans, 36 ans, je sais pas. Ah, quand même. Ouais. Ah, oui, je commence à. Je commence à sentir la naphtaline. Et moi donc ça fait si je fais de mes 10 ans, ça fait maintenant du coup 24 ans. Ah oui, oh la vache, ça y est, c'était bizarre de dire des chiffres. Ouais, des chiffres comme ça. Ça fait 24 ans que je travaille en tant que comédien. Mais c'est vrai, dans l'œuvre que vous êtes connu, dont ça faut mettre en commentaire. Quelle voix avez-vous doffé? Parce que c'est vrai que je connais pas votre voix en question, je connais pas les autres voix que vous avez fait de doublage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui. Que le personnage. C'est une liste qui est très exhaustive. Hein. Il y a pas tout, mais j'ai aussi doublé dans Anna Montana, dans Kim Possible, dans Les Mini-Justiciers aussi. Je fais aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai doublé dans des Doctor House après, des petites caisses, comme ça. Pas mal. J'ai fait beaucoup de choses quand même. C'est pas souvent. Donc ça fait. Et là, tout récemment, je double, parce qu'on n'a pas fini. D'ailleurs, toi aussi. IQ. L'animé sur le volleyball. Animé sur le volleyball. C'est plus jamais ça. C'est plus jamais ça. On a passé un cap, une génération, c'est IQ. Oui, IQ, c'est vrai que la VF est sortie très récemment. C'est ça. Avec plein de comédiens extraordinaires. Il y a Donald, il y a Alexis, il y a Enzo, il y a Benoît. Il y a Padge aussi. Mais oui, mais il y a. Ayam Blacko aussi qui fait Ayam Blacko. Ayam Blacko. Il est sur TikTok, il est sur Instagram. Je sais qu'il est dessus, qu'il double un personnage, je suis beaucoup sur Instagram. Oui, voilà, on n'était pas tous ensemble pour doubler. Oui. On n'a pas vu tout le monde. Je sais pas qui... Oui, c'est vrai qu'il faut savoir que dans le domaine du doublage, vous n'êtes jamais tous ensemble, vous êtes des fois soit deux par deux ou un par un. C'est arrivé à une certaine époque, on était souvent ensemble, mais plus maintenant, et puis le Covid est passé par là. Donc. On se retrouve un peu tout seul maintenant. On est un petit peu tout seul. Ouais. Et quand on est deux, je peux te dire que c'est la fête. Et on parfois, ils ne préfèrent pas qu'on soit deux. Ils savent que ça va partir en, trop loin. En live. Oui, j'ai failli avoir une petite couille. C'est pour ça que c'est si long arriver la VF. Oui, parce qu'on attend un par un. En plus, c'est pas long du tout parce qu'on. Ça va très vite et même charbonne. On charbonne comme des fous et on se fait des bonnes journées pour que justement ça puisse sortir comme toutes les séries qu'on fait par exemple chez Crunchyroll ou alors plus d'autres séries possible. De Netflix qui sont en simuldub, c'est-à-dire toutes les semaines. Et là, je peux te dire, on est carré et on va très très vite. Oui, comme on sort en même temps que tous les autres pays en fait sur Netflix ou d'autres plateformes. On sort en même temps que tous les autres pays. On carbure pour rajouter un synonyme avec tout ce qu'on a dit. On carbure, oui. C'est un autre. Oui, c'était un peu plus vulgaire. Oui, non.
Oui, comme je sais que des fois, il y a des films qu'on nous annonce dans les mois à venir oui. et qu'il n'y a pas encore la VF, qu'on se dit, bah mince, comment elle va arriver la VF, c'est dans très peu de temps. Mais vous réussissez quand même à faire les VF. Bah, il faut savoir qu'un film, maintenant, on le double en deux jours. Hein. Pour un rôle. Un rôle se fait en deux jours. Ouais, c'est ça. Ça peut aller, nous, très très vite. Après, effectivement, il y a plein d'autres rôles. Mais on charbonne pour pouvoir sortir vraiment les... Charbonne, on l'avait dit. Charbonne, on l'a dit au dernier, c'est ça. On charbonne dur pour sortir, effectivement, les VF le plus vite possible. Les deux comédiens s'amusent à faire des batailles de mots. Bah oui, on essaye. Toujours. J'ai un style dans l'œil depuis tout à l'heure, j'essaye de me batailler là. Je vois des trucs comme ça. La bataille des cils. J'ai des tics. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Après Star Wars, la revanche des cils. Johan, la revanche des cils. La revanche des cils. Ah voilà. Exactement. C'est pas mal, c'est bien trouvé. Voilà, bah en tout cas, merci à vous de votre participation. Bah, ça fait plaisir de vous avoir. On est d'accord. On est cool, voilà. C'est magnifique, c'est super. Et ça fait plaisir d'ailleurs de vous avoir revu Kellyanne avec une interview beaucoup mieux élaborée que la première fois. Ah d'accord, bah, avec grand plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Bah, c'était une de ses premières interviews. Ah c'était d'accord. Au téléphone, okay. Ah oui, c'était au téléphone. Ah mais génial. Oui. Il a upgradé. Ah bah oui, d'un coup il y a le visage. Il a level up. Level up. Il a monté en niveau. Spice Up Your Life. Attends, il y a plein de... On peut y aller, hein. On peut y aller, ça peut être... Apprends l'anglais avec Kellyanne Blanc et Johan Sommer. Voilà, mais oui, mais nous, on a un anglais... C'est chanson. Very speak English. Exactement. Kevin is in the kitchen. Mais il faut faire très attention, parce que Kevin is a psychopathe. Ah, mais Kevin, il cook très mal. Il cook très mal. C'est un très mauvais cook. Alors, en tout cas, merci à vous. On a fini là, je tourne anglais, hein, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Kellyanne, qui est une chaîne Twitch. Effectivement. C'est-à-dire, c'est une chaîne Twitch. Alors, c'est de l'expérience, hein. C'est un métier. Hein. Ah bah, tu l'as sorti d'un coup, j'ai dit, putain, mais une chaîne Twitch. Une chaîne Twitch. Qui est Kellyanne VF, effectivement, dans lequel je joue à des jeux vidéo et je prends cette excuse, du coup, pour m'éclipser de ma famille et jouer aux jeux vidéo en étant tranquille. J'adore. Je joue aux jeux vidéo et comme ça, je peux discuter avec vous. Et effectivement, et donc, Kellyanne VF, et il y a le jeu Hogwarts Legacy qui sortira en février et pour lequel je vais beaucoup streamer. La vie écartée, un de votre univers. Exactement. Et tu as vraiment envie de regarder, en plus, je joue pas aux jeux vidéo, ça se saurait. Mais j'ai vraiment envie d'en... C'est génial ton idée là. Mais oui, mais attends. J'espère que vous le suivez tous en tout cas. Johan va peut-être rejoindre la partie avec Kellyanne. Il y a bien du jeu de vidéo. Oui, moi je veux bien. Je vais déjà comprendre comment marche. Comment ça marche comment... Alors attends, qu'est-ce que c'est? Non, parce que je suis complètement dyslexique de partout. C'est pas que là, c'est pas que dans le cerveau. C'est aussi les mains, les trucs, rien de là en fait. Johan va se mettre au jeu vidéo désormais avec Hogwarts Legacy. Mais oui. Peut-être, j'ai très envie. Ça peut faire un beau duo Twitch, hein. Kellyanne et... Exactement. Et Johan. Oui, s'il y a autant d'ambiance que là, avec vos batailles de mots, ça peut vraiment le faire. Ça s'entend très bien, donc ça peut être une bonne partie de rigolade. En tout cas, voilà, vous pouvez vous abonner à la page Instagram, Facebook aussi, de Kellyanne. De tout le monde, oui. De tout le monde, on correspond par des pieds. Oui, voilà. Assez commun. Éclectique. Voilà. Éclectique, voilà. Pour communiquer avec Johan, c'est Instagram. Instagram, j'y suis quand même pas mal. Je l'avoue, voilà. c'est mon petit péché, Instagram, et j'essaie de répondre à tout le monde. Ah, ça va. Bon, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait une sorte de meurtre. Non. C'est à force que ça serait dur si vous êtes C'est la faute de Vector. C'est ça. Et oui, sur Instagram, et puis un petit peu Facebook, mais très très peu. Instagram, un peu Twitter depuis un moment, parce que les fans des animés, toute la communauté, j'aime pas dire fans, la communauté des animés, beaucoup sur Twitter, donc j'ai appris à les connaître sur Twitter, je les aime beaucoup. Mais quand même un petit peu plus sur Instagram. Oui, c'est vrai que Twitter redevient à la mode. Ah oui. Pour les comédiens, oui, j'ai Twitter juste pour un jeu, pour faire des partages, pour avoir des récompenses. Mais je suis abonné à quelques comédiens, je vois, il y a beaucoup de gens qui repartagent et tout. Ça a l'air d'être vraiment la mode, les comédiens sur Twitter c'est génial. Qui se font connaître. Tant mieux. Et maintenant, vous allez revoir Kellyanne sur Twitter. Mais voilà, bah ouais, mais j'ai une chaîne Twitter aussi. Qui est Kellyanne, je crois, tout simplement. C'est bien trouvé. Voilà, c'est fou, hein. Et c'est Donald qui me l'a créé, la chaîne. Oh, babe. Il me l'a créé le jour où je suis passé dans son émission Stream VF. Et je lui ai dit que j'avais pas de chaîne Twitter, il l'a créé en direct. Ah, top. Et du coup, comme ça, tout le monde s'est abonné en même temps. C'était très sympa de sa part.
Un grand merci d'ailleurs à Donald Renew qui est présent ici dans les locaux. Car nous sommes dans une convention à la Saint-Manga, voilà, de Saint-Lenoble. C'est la fin de la convention et nous sommes électrojetés, on arrête de rouler dans tous les sens. Je vais vous laisser et merci à vous, ça fait plaisir. Salut, salut. À très vite. Des bisous.